La comédienne Marianne Denicourt sera ce mardi à Carcassonne dans le cadre du festival Culturissimo, organisé par les espaces culturels Leclerc. Elle fera une lecture du roman de Delphine de Vigan, Les Gratitudes. Marianne Denicourt nous a accordé une interview pour nous en dire un peu plus sur ce livre et sa façon de raconter ce texte. Je pense que c'est bien de le découvrir, mais en gros, c'est... Ça parle, enfin, en tout cas l'extrait que je vais lire, parce qu'il est assez riche, assez long. Moi, je vais lire un extrait de 45 minutes environ, 45-50 minutes, je ne sais pas exactement. Et c'est sur une orthophoniste qui travaille avec des personnes âgées qui perdent la mémoire et la parole, surtout. Vraiment, c'est un très beau texte. C'est très différent de jouer au cinéma, encore plus différent aussi de jouer au théâtre. Donc, c'est un travail solitaire. Je prends toujours un peu, pas mal de temps pour le préparer. Et puis voilà, c'est pour une fois devant des gens. Moi, j'aime beaucoup. En fait, une lecture, ça se joue pas, ça s'incarne, ça se transmet. Il faut se mettre derrière le texte. C'est vraiment le texte qui compte, c'est pas la performance de l'acteur. Mais pour moi, ce qui est le plus important, c'est que les gens ne s'ennuient pas et de rendre ça le plus vivant possible. Pour assister à cette lecture, rendez-vous ce mardi soir dès 20h à l'auditorium de la Chapelle des Jésuites à Carcassonne. Et en plus, l'entrée est gratuite.